Total.com. Au bis en Afrique du Sud, Total, c'est celle et l'unique. www.combattant.com. 10e journée en marche. Marche sur le bagu il y a 12 jours. C'est le même temps pour là. Au 10e jour, tout ça le dimanche. Ingeta.
Nous passons par votre rue, par vos rues, par votre ville aujourd'hui, ce dimanche 28 juin. Nous avons commencé cette marche depuis le vendredi 19 juin. Cela fait 10 jours que nous sommes dans les rues de l'Île-de-France à propager la nouvelle, à dire à la population française que nous ne devons plus rester indifférents. Il y a la République démocratique du Congo, un
Habitants de Gennevilliers, Genevoise, nous sommes ici devant votre mairie en ce dimanche pour dire à la mairie de Gennevilliers, qui sont nos élus, chers citoyens français que nous sommes, nous leur demandons de prendre leurs responsabilités. La France a signé un acte qui donne le droit aux institutions internationales de pouvoir défendre les victimes de viols, de pouvoir défendre les victimes de crimes contre l'humanité, de pouvoir défendre les victimes contre les génocides. Alors nous passons par toutes les mairies pour leur rappeler ce devoir, pour leur rappeler cet acte qu'ils ont signé au nom du peuple français. Nous, citoyens français, nous avons droit à l'information. Or, aujourd'hui, dans les médias nationaux et internationaux, le message ne passe pas. Le message n'arrive pas. Nous dénonçons ce phénomène depuis plus de 20 ans. Il y a plus de 3 millions de femmes violées, plus de 3 millions d'enfants violés, plus de 10 millions de monde violés en Afrique, et personne n'en parle. Or, tous les jours, nous bénéficions de ce viol. Oui, nous bénéficions de ce viol, car à travers ce viol, il y a l'extraction des minerais de l'Afrique et à l'extraction des minerais de la République démocratique du Congo. Et le minerai révolutionnaire du 21e siècle n'est que le coltan, ce même minerai que nous trouvons dans nos portables, ce même minerai que nous trouvons dans nos ordinateurs, ce même minerai que nous trouverons dans nos téléviseurs plasma, ce même minerai que nous trouvons dans nos clés USB, dans tous les appareils contenant une mémoire vive ou un stockage d'éléments, le coltan s'y trouve. Alors imaginez quel nombre d'appareils contient du coltan dans ce monde, puisque tout est stockage dans ce monde. Alors, nous rappelons à la population que nous sommes concernés, nous avons un devoir. Si nous ne voulons pas être complices directement de ces crimes, nous devons les dénoncer. Pour cela, nous devons relayer le message. Il n'y a que maintenant 6 jours. Cela fait 10 jours que nous avons quitté nos foyers, nos femmes, nos enfants, nos maris, pour transmettre le message de vie en vie. Nous avons fait le 92 Nord, nous avons fait le 92 Sud, nous avons fait le 94, nous avons fait le 93. Et là, nous repassons de nouveau vers le 92 pour finir sur Paris, lieu de notre domination par le nom de Paris. Nous ne sommes pas des marcheurs, nous marchons pour
longtemps. La violence faite aux femmes. Faites aux femmes. Oh, la violence faite aux femmes.
Donc ça pousse le feu aujourd'hui, comment ça vient en plus. Aujourd'hui, nous sommes tous complices. Et pour ne pas être complices, nous, les marcheurs de cette caravane, avons décidé de nous lever et de propager la nouvelle, de faire passer le message, de dire que nous devons arrêter toute l'utilisation de ces appareils, des appareillages qui nous servent tous les jours, qui n'a qu'à servir la révolution technologique, pardon. Car le minerai qui est aujourd'hui la cause de tout cela, c'est le coltan. Le coltan qui sert dans nos portables, le coltan qui sert dans nos ordinateurs, le coltan qui sert dans nos téléviseurs. Ce coltan-là, pour être extrait, il faut tuer des femmes, il faut violer des femmes, il faut violer des enfants. Alors cela ne peut plus se faire. À l'aube du 21e siècle, plus de 3 millions de femmes violées, d'enfants violés. Est-ce un chiffre? Non, ce n'est pas un chiffre. C'est une réalité de ce que vivent là-bas les femmes en Afrique, de ce que vivent là-bas les enfants en Afrique. Alors je vous demande, peuple français, je vous demande, citoyens d'Anières, je vous demande, citoyens français, que nous sommes tous ici, à venir nous rejoindre. Rejoignez la caravane, relayez le message. Nous ne restons plus sourds à cela. Selon toucher au plus profond de nous, il est vain qu'il en va de l'humanité, car l'humanité entière va croupir sous le poids du capitalisme. L'humanité entière va croupir sous le poids des multinationales, des hommes qui ne veulent que s'enrichir jour au jour au détriment du peuple. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple souverain. Nous avons le pouvoir de pouvoir faire changer les choses. Mais ce n'est pas en restant dans nos maisons, ce n'est pas en restant dans nos problèmes personnels, c'est en se tournant vers le monde, c'est en écoutant les vrais messages qui passent dans vos rues, c'est en rejoignant cette caravane que vous pourrez changer le monde. J'en appelle à votre humanité, j'en appelle à votre bon sens, j'en appelle à votre bon cœur. Venez nous rejoindre, relayez ce message. Cela n'arrive pas qu'en Afrique, il arrive ici aussi. Quand une personne n'a jamais été tuée, n'a jamais été violée, elle croit que c'est que le voisin qui peut subir cet acte-là. Et quand cet acte frappe à sa porte, alors là il est trop tard, car on passe à l'acte et il est violé. Alors pour ne pas que nos voisins soient violés également, nous marchons ainsi pour vous dire que nous devons ensemble obliger la France à prendre ses responsabilités. Nous devons ensemble obliger la France à pouvoir défendre les violeurs, les violés, à punir les violeurs, à punir les criminels de guerre. Alors nous crions dans vos rues ces slogans qui disent « Stop aux viols !»« Stop aux viols !» Commune s'il vous plaît, on va se reposer. Mairie d'Anières sur Seine. On passe les messages. Mairie d'Anières sur Seine. On vient par ici. Donc, on passe les messages à propos. Les venus les combattants contre. Donc, tout dans la mairie. Tout dans la mairie à Gennevilliers. Si vous êtes dans la mairie, il y a Anières sur Seine. Toujours Koba, c'est Koba.
Bon, en attendant, on passe les... Messieurs, mesdames, citoyens français, citoyens du monde, nous sommes ici, non pas pour vous déranger, mais pour vous informer que, pendant que nous sommes ici, nous reposons, nous jouissons de la technologie avec nos portables, avec nos ordinateurs, avec nos télés. Il y a des hommes et des femmes au Congo et surtout à l'est du Congo qui sont massacrés. Massacrés parce que leur terre est comblée de minerais, et surtout des minerais, les coltans. Et ces coltans sont très importants pour vos portables, pour vos téléphones, pour toute l'électronique. Et pourquoi les hommes et les femmes, les enfants surtout et les femmes, doivent être violés et massacrés tout simplement pour les chasser de leur terre et exploiter librement les gisements des minerais. Les multinationaux, les entreprises multinationales exploitent et achètent les minerais chez les gens qui tuent là-bas. Ils les financent à l'héronnage des armes. Et tout ça pour que nous, ici, nous puissions librement téléphoner, librement regarder la télé, librement faire la communication. Nous vous appelons tous à nous unir à nous. Nous vous appelons tous à vous soulever pour dire non à ces massacres, pour dire non à ces viols massifs à l'est du Congo. Il y a déjà 3 millions de femmes violées. Oui, plus de 10 millions de morts, tout simplement parce que les gisements des coltans sont à l'est du Congo. Et cela fait une vingtaine d'années et personne n'en parle. Si vous regardez la télé, vous suivez les médias, il n'y a rien à ce sujet. Mais chaque jour, plus de 40 femmes sont violées. Les morts, on n'en compte même pas. Nous vous appelons de vous soulever, de dire à tous vos élus qu'ils doivent stopper, ils doivent tout faire pour que les hommes et les femmes du Congo, et surtout de l'Est du Congo, puissent vivre librement. Les femmes sont violées, les images, que, si vous voyez les images, c'est vraiment horrible. On met des bâtons, on tire sur les vagins des femmes, on met des couteaux sur les vagins des femmes après les avoir violées. Et c'est vraiment inhumain. Et bien, tout simplement parce que leur terre est riche en minerais. Non, nous disons non. Nous vous appelons à dire aussi non à ces gens, à ces multinationales, à vos leaders qui tolèrent tout cela puisqu'ils en profitent. Nous tous. Nous sommes coupables parce que nous utilisons les téléphones mobiles, les téléphones portables qui sont fabriqués avec les minerais de guerre, les minerais de coltan de l'Est du Congo. Parce que 70% des réserves mondiales de coltan se trouvent là. Et sans ces coltans-là, vous n'aurez pas le dernier portable que vous avez maintenant. Merci. Chers compatriotes, ne nous rendons pas coupables de ce qui se passe. Comme à l'est de l'Ukraine jusqu'au Congo, il y a des choses anormales qui se passent. Aujourd'hui, nous avons eu peur des guerres biologiques, nucléaires et des guerres assourdissantes que nous connaissons tous depuis la nuit des temps des champignons. Mais il y a une chose que nous ignorons tous, c'était le viol comme arme de guerre. Violer une femme devant ses enfants et son mari pour ainsi obliger la famille à abandonner la terre de ses ancêtres, la terre qui a vu naître ses enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut qualifier de ce genre de crime. Ce crime n'est pas relayé à la télé au niveau national. TF1 s'en fiche pas mal de ce qui se passe au Congo. Parce que Total est responsable à 40%. TF1 s'en fiche pas mal de ce qui se passe au Congo. Parce que Apple est responsable à 90%. Alors mes chers amis, si TF1 ne vous dit pas, nous nous sommes venus vous dire. Le silence assourdissant de l'opinion internationale et de l'organisation internationale nous rend tous coupables de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, voilà maintenant 12 ans. Il y a 12 millions de morts. On ne peut plus dire un génocide. 12 millions de morts et il n'y a que 8 millions, 8 malheureux millions reconnus par l'organisation.
demi. Mais 8 millions, mesdames, messieurs, c'est déjà 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Alors, à Nier, y a-t-il des humains capables de chercher à comprendre ce qui se passe et pourquoi il y a ce blackout de l'information? Pourquoi on ne vous donne pas l'information pour savoir réellement ce qui se passe? Ou nous allons rester ici en entendant, vous nous regardez de travers et nous vous regardons de travers et personne ne comprend ce qui se passe. Mes chers amis, je vous invite à venir massivement dans les réseaux sociaux, là où sont relayées des informations, là où des informations sont relayées au niveau local, parce que les chaînes nationales ne savent que faire de ce genre d'informations. L'État se sentant empêtré, en commençant de l'Est du Congo jusqu'au Centrafrique. Il ne récupère que des infos qui ne gênent pas le gouvernement. Alors s'il vous plaît, les habitants d'Anière, je vous appelle à un sursaut d'honneur. Je vous appelle à défendre la liberté, car ça commencera là-bas, mais ça finira ici, sur le riz d'Anière, de Paris ou autre. Alors s'il vous plaît, je vous appelle à vous lever. Merci. Pour ceux qui veulent rejoindre la caravane, nous allons vers la mairie de Clichy et ensuite nous finirons pour cette journée à la mairie de Levallois. Et demain, nous repartirons de la mairie de Levallois pour rentrer à Paris. Nous sommes à la mairie de Levallois demain à partir de 10h. Ceux qui sont disponibles, venez nous rejoindre. www.nouslescombattants.com. Au bis en Afrique du Sud, Total Access, le seul et l'unique. Au Congo, en Afrique, dans le monde. Est-ce que peut-être la politique rentre là-dedans, là, c'est une histoire politique, ou pas, c'est du moment. Oh, viens ! Les viens comme armes de guerre, nous n'en voulons pas. Les viens comme armes de guerre, nous n'en voulons pas. Stop à la violence ! Mairie de la Garenne. Oh, Jésus, ouais, ça va. Alors, habitants de Clichy, nous sommes ici dans votre ville,
dixième jour de notre étape. Nous avons commencé cette marche depuis le vendredi 19 juin. Nous marchons sans arrêt, sans rentrer chez nous, sans dormir dans nos maisons, en laissant nos enfants, nos femmes et nos maris, pour vous donner un message capital. Nous sommes ici pour vous dire qu'actuellement en République démocratique du Congo, il y a plus de 3 millions de femmes violées, plus de 3 millions d'enfants violés et d'hommes violés. Et actuellement en Afrique, il y a plus de 10 millions de femmes violées, plus de 10 millions d'enfants violés. Et nous sommes ici pour le dénoncer, car nous ne pouvons pas être complices de ces actes. Mais malheureusement, nous le sommes indirects. Et nous avons décidé pour tuer ce silence. Nous avons décidé pour braver justement cette complicité de marcher et de vous le dire. Nous avons tous un téléphone portable. Mais sachez que ce téléphone portable est la cause des viols en République démocratique du Congo. Nous avons tous un ordinateur portable. Mais les viols sont les causes de ce portable. Nous avons tous un téléviseur écran plasma chez nous. Et bien écoutez, ça aussi, c'est la cause des viols en République démocratique du Congo. Donc effectivement, nous sommes complices. Que nous le voulions, que nous ne le voulions pas, nous subissons. Nous sommes acteurs des viols commis en République démocratique du Congo. Et les viols qui sont commis en République démocratique du Congo, je vous le rappelle, excusez-moi les termes que je vais employer, excusez-moi les photos que je vais vous montrer, mais ce ne sont pas des viols civils. Ce sont des femmes qui sont enfourchées par des baïonnettes. Ce sont des femmes qui sont enfourchées par des mitraillettes. Ce sont des enfants de 2 ans à qui on prend un bâton et qu'on enfonce à l'intérieur de son vagin. Combattez un solo. Les drones que vous voyez qui passent partout pour filmer le monde entier. Il y a le coton du Congo dans les drones, puisque le coton sert à stocker toutes les pluies morbides. Tous les appareils qui contiennent un stockage de pluies morbides contiennent le coton. Oh!
très loin de ces maisons qui forment le carré de cette mairie. Alors ils nous attendent. Et puisque demain nous repartirons d'ici, ils sont au courant de notre passage. Alors nous attendons à être reçus par monsieur le maire, ou encore par un de ses élus, ou encore par le directeur de cabinet, demain ici même à partir de 10h. Nous sommes venus dans votre ville pour vous dire qu'effectivement, il y a un souci en Afrique. Il y a un souci en République démocratique du Congo. C'est même plus qu'un souci, ça va au-delà. C'est un drame. Puisqu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a plus de 3 millions de femmes violées. Plus de 3 millions d'enfants violés. Plus de 3 millions d'hommes violés. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont violés pour une seule chose, pour que le capitalisme s'accroît, pour que les hommes riches deviennent encore plus riches. Oui, chacun de nous veut devenir riche. Tout le monde veut devenir millionnaire à ne plus s'en suffire. Mais est-ce que pour cela, il faut violer des femmes? Est-ce que pour cela, il faut violer des enfants? Est-ce que pour cela, il faut perpétrer des massacres de plus de 100 millions de morts en Afrique? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a d'autres moyens de s'enrichir que de tuer impunément des femmes et des enfants, que de tuer impunément des villages entiers, de les déraciner, de dépeupler des villages entiers, de balkaniser des territoires africains. On peut devenir riche en travaillant autrement. Et c'est ce que nous voulons enseigner à tous ces dirigeants. Ici, il y a un de ces multinationales qui loge ici, à Levallois, M. Lagardère, qui est parmi les multinationales qui exploitent les minerais du Congo, qui est parmi les multinationales qui volent les minerais du Congo. Oui, je dis bien vol, car ils ne les extraient pas légalement. Ils volent en passant par des milices africaines. Ils envoient des milices formées par eux-mêmes, par certains de leurs envoyés, par certains de leurs mercenaires, pour entrer dans des pays voisins de celui de la République démocratique du Congo, pour venir tuer les femmes et violer les enfants. Ces milices-là ne sont pas des gens qui ont une vie normale. Ce sont eux-mêmes aussi des enfants, des soldats, qui ont grandi, qui sont devenus adultes. Ce sont eux-mêmes aussi ces enfants ici de viol. Alors cela se perpétue de génération en génération. Cela fait plus de 20 ans qu'il y a ce phénomène en République démocratique du Congo et en Afrique. Mais vous n'en avez pas entendu parler dans les médias. Bien sûr que non. Pourquoi ces médias qui sont eux-mêmes financés par ces multinationales trahiront leurs propres employeurs? Pourquoi ces médias qui n'ont plus cette liberté d'expression pour laquelle ils prêtent leur serment parleront de ce qui se passe en République démocratique du Congo? Parce qu'eux-mêmes mangent par là, eux-mêmes s'enrichissent par là. Mais nous qui ne bénéficions de rien du tout de ce drame, nous qui en sommes les victimes, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons crier plus fort que ces femmes dans les champs là-bas qui n'ont même plus la force de crier. Que dès qu'elles voient venir ces militaires, qu'elles sont sûres qu'ils vont les violer, se taisent et attendent de subir l'acte sans aucune défense, avec résolution, sans avoir aucun cri dans la bouche. Elles se laissent faire. Et elles finissent chez elles à pleurer et à essayer de panser leurs plaies. Mais malheureusement, en Afrique, il y a à la tête de chacun de ces pays des dictateurs qui sont placés par ces mêmes multinationales. En République démocratique du Congo, il y a un grand dictateur qui s'appelle Kabila. Au Rwanda, il y a un grand dictateur qui s'appelle Kagame. Au Burundi, il y a un grand dictateur qui s'appelle Museveni. Nkurunziza au Burundi. Et en Ouganda, Museveni. Au Congo-Brazzaville, il y a Sassou Nguesso. En Angola, il y a Dos Santos. Au Cameroun, il y a Paul Biya. Et je vous en cite, car cette Afrique-là n'est gouvernée pas que par des milices, des mains armées, qu'ils soient à la tête du gouvernement ou qu'ils soient dans les champs à violer ces femmes. Ce sont tous des dictateurs, ce sont tous des assassins. Mais aujourd'hui, nous venons ici à la mairie de Levallois voir M. Balkany, tout simplement parce qu'à la mairie de Levallois, il y a des députés. Il y a des députés qui siègent au Sénat. Il y a des députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Des sénateurs qui siègent au Parlement. Et c'est à ces élus-là que nous nous adressons. Parce qu'aujourd'hui, la France a signé une résolution qui devrait mettre fin à tous ces viols, qui devrait mettre fin à tous ces massacres. Mais pour que ces résolutions soient mises en place, il faut que la France ait le courage de prendre ses responsabilités. Il faut que la France ait le courage d'aller à ces pays et dire qu'il y a des criminels de guerre au Congo, qu'il faut les punir, que ces criminels ne doivent pas
courage. Alors nous, citoyens français, nous allons leur forcer la main, nous allons leur donner ce courage d'aller jusqu'aux institutions internationales, de punir les criminels. Et nous sommes ici, messieurs et mesdames, les élus qui nous écoutez, nous reviendrons demain encore pour rappeler cela. Mais vous qui nous écoutez encore aujourd'hui, sachez-le que vous avez le devoir de faire respecter les accords que vous signez au nom du peuple français. Peuple français que nous sommes, citoyens français que nous sommes décisionnaires. Alors je vous invite à nous rejoindre. Nous sommes ici encore sur cette place pour quelques minutes, jusqu'à ce que 16h voire 17h se finissent, et ensuite nous reviendrons encore ici demain. Nous finirons notre marche le 30 juin devant le parvis de la mairie de Paris. Nous avons commencé cette marche depuis le 19 juin. Oui, ça fait 10 jours que nous marchons. Ça fait 10 jours que nous marchons, que nous avons fait toute l'île de France, sans nous arrêter, sans nous reposer, sans retourner dans nos conforts, dans nos maisons, voir nos maris, voir nos femmes, voir même nos enfants. Alors vous pouvez aussi le faire. Si nous sommes une poignée d'hommes à le faire, alors le monde entier peut le faire aussi. Ingeta. Merci à vous. Ingeta. Yo, yo Hippolyte. Yo Hippolyte. Pour les calcans, pour les pétroles, pour les diamants, par Kagame, par Kabila, Moussa Beni, Essa Assou, et Kagame, et Kabila. Nous demandons leur démission dans l'immédiat. Les femmes sont violées au Congo, les femmes sont violées en Afrique. Venez voir, les femmes sont violées au Congo, les femmes sont violées en Afrique. Elles sont violées par Kagame, par Kabila, Moussa Beni, Essa Assou, par Bongo, par Ouattara. Les femmes sont violées au Congo, les femmes sont violées en Afrique. Stop au viol au Congo. Stop au viol en Afrique. Stop au viol dans le monde. 3 millions de viols au Congo. 10 millions de viols en Afrique. 100 millions de viols dans le monde. La violence est aux femmes. Nous ne voulons pas. La violence est aux femmes. Les viols commandent des guerres. Les viols commandent des guerres. Ça suffit. Les viols commandent des guerres. Nous n'en voulons pas. Les viols commandent des guerres. Ça suffit. Stop au viol. Stop au viol. La violence est aux femmes. La violence est aux femmes. La violence est aux femmes. Les viols commandent des guerres. Les viols commandent des guerres. Les viols commandent des guerres. Stop à la violence. Stop à la violence. Stop à la violence. Stop à la violence. Kabila. 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 Sassou. Sassou. Moussa Beni. Moussa Beni. Kagame. Kagame. Ouattara. Ouattara. Kabila. Kabila. Ingeta. 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 Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Jusqu'à la victoire. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Patriote, patriote jusqu'à la mort. Oh patriote, patriote jusqu'à la mort. Patriote, patriote jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, Congolais, Congolais, jusqu'à la mort.
la mort. Je resterai congolais jusqu'à la mort. Africain, africain jusqu'à la mort. Africain, africain jusqu'à la mort. Africain, africain jusqu'à la mort. Je resterai africain jusqu'à la mort. Pas de doute, car nous les combattons. www.nouslescombattants.com Le site officiel de tous les combattants.